Là où le stationnaire et du vent qui est passé onshore entre midi et deux sur la canoë, rebonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est partagé, c'est dégagé juste au-dessus de la plage, mais il y a une bande nuageuse sur l'horizon et juste au niveau de la dune. La température extérieure est à 24 degrés, la température de l'eau est à 20-21 degrés, elle est bonne. Cet après-midi, un temps dégagé, une température à 24, joli nuage. La marée est actuellement en train de descendre, le plein bas est à midi 40 avec des coefficients de grande marée, les plus grands coefficients de l'année, 112, joli nuage. Sur cette marée qui est actuellement en pleine basse, on a le vent qui est onshore avec un secteur ouest à ouest-sud-ouest, il est faible à modéré, il y a un beaufort établi, des rafales à 2, le plan d'eau est ridé, à peine clapoteux. Les faces de vagues sont ridées, là où les multiples piquent, mais un peu moins agité que ce matin avec le régime de sud. Là, maintenant que le vent est passé ouest, pour moi, c'est un poil plus propre. Mais c'est quand même du multipec. C'est une houle qui est moyenne de 8 secondes de période, orientée avec un secteur ouest-nord-ouest à ouest. Le relevé stationnaire sur la bouée Arcachon-Gascogne est à 1,20 m et 6 secondes. Et ça donne des vagues stationnaires. Eh bien alors, ça donne des vagues stationnaires en taille. Par rapport à ce matin, il y a 50 cm en déferlement régulier, 70 cm aux séries, difficilement, plus des vagues qui arrivent à hauteur de mi-cuisse. La barre est facile à franchir, tout le monde passe la barre. Les vagues sont accessibles pour tout le monde, surfables pour tout le monde, facile à surfer au large, c'est mou, c'est tranquille, c'est pépère. Au bord, c'est moins évident, c'est un peu plus rapide, un peu plus fervent. On reste toujours sur une note de 1 sur 5. Donc il y a du monde à l'eau, tout le monde a passé la barre, les écoliers, les crevettes, les pré-écoliers, les vacanciers, les débutants, tous avec une planche adaptée la plupart du temps, mais pour une petite crevette en petite planche, ça passe. Pour un adulte averti en petite planche, ça passe sur un bon spot, mais sinon le paquebot est l'engin recommandé. Il y a énormément de monde à l'eau, je ne sais pas, il doit y avoir 50, 60, 70 personnes à l'eau sur tous les spots de la canoë centraux du sud au nord. L'évolution pour le reste de la journée, ben on a cette poussée de houle hein, qui est donnée sur la bouée Arcachon-Gascogne qui arrive à 1,40 et 6 secondes, mais c'est pas énorme. Ça va grossir légèrement cet après-midi, et puis surtout sur les coups de 16-17 heures, avec un vent qui est prévu se renforcer au nord modérément dans l'après-midi. Avant de se calmer en effet de malinasse sur la fin du montant associé à ses plus gros coefficients de l'année. Les prévisions à 17h, c'est 80 cm, un petit mètre, hein, ou ouest-nord-ouest à ouest, 8 secondes de période, vent de nord de 3, et sur la fin du montant, le vent qui se calme. Donc les meilleures conditions, elles étaient quand même en première partie de journée. Là pour moi, en ce moment, c'est le meilleur moment. Cet après-midi, ça devrait être le plus mauvais moment. Et en fin de journée, ce devrait être un moment en amélioration. Je vous tiens informé sur l'évolution des conditions sur le 08 92 29 78 73 à 14h, 16h et 18h en vous souhaitant une bonne journée.